La longueur. Dédé. J'ai chaud. Je suis Margot Cousin, j'ai 33 ans et je suis manipulatrice radio. Solène Placide, j'ai 25 ans et je suis manipulatrice radio aussi. Un contact patient qu'on n'a pas en radio classique. Du coup, on voit le patient tous les jours et je trouvais ça bien parce qu'on peut créer un lien en fait vraiment avec les gens et je trouvais ça plutôt cool. Et pour moi, la radiothérapie, c'était un petit peu plus technique entre guillemets que la radio classique. Pourquoi radiothérapie ? Parce qu'il y a le contact avec le patient, ça c'est sûr, on le voit souvent, mais aussi parce qu'il n'y a pas de week-end, pas de jour férié, pas de nuit et ça c'est tout bénef. La paye est plutôt bonne. Le fait qu'on puisse faire pas que de la manipulation sur poste de traitement, on peut aussi faire des consultations à côté. Et du coup, créer des liens avec le patient. Ça fait 6 ans que je suis là, parce que ça me rapprochait de chez moi. Et aussi parce que l'équipe est super. Enfin, moi, je me marre bien, c'est une petite équipe, on n'est pas beaucoup. Ça fait vraiment famille, c'est pas à la chaîne, parce que c'est vraiment très agréable. J'ai choisi de travailler ici parce que durant mes années de formation, j'ai fait plusieurs stages ici. Donc, j'ai pu connaître l'équipe en amont, j'ai pu avoir un certain confort. J'ai signé du coup un contrat de pré-recrutement. Je suis venue directement ici après mon diplôme et je reste là parce que surtout, j'adore cette équipe. Je trouve cette équipe vraiment fun. Et on se marre bien, effectivement. Et c'est une très bonne ambiance et ça donne envie de venir au travail. On n'a pas de boulot au ventre quand on arrive ici. Oh, c'est trop mignon! Non, je le savais déjà. Moi, c'était plutôt venez ici, on accueille super bien. Non, ça, c'est bien le fait que ça soit pas. Parce qu'effectivement, on a toujours. C'est pas has-been. Oh, et puis en plus. On n'est pas aimable en radiothérapie. Ça, c'est on n'est pas accueillant, alors que c'est faux. C'est ça que vous aviez en tête à l'école. Oui. Ouais. Et du coup, bah, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Moi, c'est parce que je suis des stages. Après, c'était parce que c'est une petite équipe aussi. Parce que quand c'est trop grand que tu vois. Personne en fait. Jamais la même personne. Pour débuter, je trouve que c'est pas mal de connaître tout le monde. Bon, on leur dit quoi ? Venez chez nous, on vous accueillera et bien. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ici ? Venez par ici. Si vous vous baladez dans le 13ème, venez ici, on va bien se marrer. Venez ici, on va bien se marrer. Comment la pub.